Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tutoriel de la splendide chanson écrite par Michel Legrand, extraite de l'un des thèmes des Parapluies de Cherbourg, dit de la scène du récit de Cassard, sur les paroles de Jacques Demille, réalisateur, bien entendu, en 1964. Alors, il existe une version anglo-américaine sous le titre Watch What Happens, sur des paroles de Norman Gimbel, que vous trouverez aussi sur ma chaîne, qui est devenue un véritable standard de jazz international. Puisque le magnifique thème peut être décliné de bien des manières. Alors naturellement, comme tout ce que vous trouverez sur ma chaîne par ailleurs, eh bien je me suis attaché à tout vous simplifier. Voilà, à commencer par la tonalité que j'ai transposée directement de la partition, puis adaptée, etc. Enfin bref, pour que le bonheur de chanter et de jouer soit accessible à tous. Alors vous trouverez aussi de nombreuses et merveilleuses chansons de Michel Legrand dans cet esprit. Si vous avez la curiosité d'explorer ma chaîne, voilà, tout simplement. Alors, il vous suffira néanmoins de descendre la clé de transposition, la key transpose, comme disent les anglo-saxons, de votre piano numérique, d'un ton, soit deux demi-tons, voilà, pour être en harmonie avec mon guide et le tutoriel. Alors, nous allons procéder ensemble. Alors, pour vous, ça peut très bien se passer de manière digitale. Moi, ça se passe de manière mécanique, parce que c'est un vieux piano, c'est un petit modèle. Enfin, bref, peu importe. Ça. Tous les pianos, normalement, numériques, voilà, en disposent. Hein. Si ce n'est pas évident comme ça, eh bien, vous avez un manuel, bien entendu, qui vous le dira. Donc, regardez bien, ça se passe ici. Moi, vous avez les deux petits repères verts, n'est-ce pas? Celui du milieu, qui est donc la position centrale, neutre. Là, c'est-à-dire que on n'a aucune altération. Voilà, le clavier est clair. Voilà, il est sur le 440, le La 440. Donc, bien sûr, sa fréquence est neutre. Elle est naturelle, j'ai envie de dire, accordée. Donc ici, moins 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en bas, 6 demi-tons au-dessus et en dessous, qui nous fait les 12 demi-tons de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, les 12 demi-tons possibles, si vous voulez, possibles de tonalité, n'est-ce pas, en musical. Alors là, en l'occurrence, nous avons besoin de 2 demi-tons. Donc écoutez bien, regardez, puisqu'on va descendre de 1 ton, c'est-à-dire en si bémol, je joue si bémol. Jouant Do désormais, puisqu'on est descendu de deux demi-tons, c'est-à-dire que en jouant Do, on entend Si bémol, n'est-ce pas? Donc voilà, nous allons rester dans cette. Et naturellement, une fois que vous aurez appris la chanson, bah vous pouvez changer directement votre clé de transposition dans la tonalité où vous serez confortable pour chanter, naturellement, bien entendu. Mais en attendant, pour l'heure, le quart d'heure peut-être, la demi-heure, eh bien, on va étudier ça ensemble. On va regarder la chanson, il faut d'abord l'apprendre. Alors, l'introduction est apocryphe, hein, donc on est bien d'accord, on est à moins 2, voilà. C'est apocryphe, mais oh, ça va être intéressant quand même, parce qu'on va avoir besoin quand même de, j'allais dire, cette petite partie, voilà, cette phrase musicale va revenir. Alors là, on n'a pas besoin, comment dirais-je, on n'a pas besoin de faire quelque chose de complexe. Vous pouvez très bien faire. Regardez bien comment ça se passe à la main droite. N'est-ce pas? Donc ici, qu'est-ce qu'on va jouer? Do majeur 7, tonal, tierce, quinte, Do. Ensuite, on va se contenter simplement de faire une triade, tonal, tierce majeure, quinte, Do. Ensuite, on monte, en montant ici, en fait, on joue la tierce du Si bémol. D'accord? Si bémol, tonal, tierce mineure et la quinte. Donc gamme de Si bémol, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, donc 1, tonal, tierce majeure, tierce mineure, celle que nous utilisons, la quinte, n'est-ce pas? Donc Do, Si bémol mineur, ensuite la tonale du Si, donc gamme de Si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, d'accord? Donc, on joue la tonale, on joue la tierce majeure et on joue la quinte majeure. Donc je récapitule. Tout en jouant, somme toute, la tonale à la main droite,
ensuite la tierce mineure, la tonale de Si. Donc on a Do, on a Si bémol mineur, n'est-ce pas? Nous avons Si et nous avons Do. Alors, ce que vous pouvez très bien faire, donc ici, ensuite, il vous suffit, regardez bien, qu'est-ce que je fais dans mon introduction? Je fais quelque chose de très sympa. Donc, pam, 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 pam. Ici, j'utilise le Do, j'utilise la quinte, c'est-à-dire en l'occurrence le Sol. Regardez bien. Ici, là, j'utilise la septième du Si bémol mineur. Ici, j'utilise la quinte majeure pour revenir au Do, n'est-ce pas? Et je le fais pam pam pam, donc pam et da pam et pam 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 pam. Mais vous pouvez faire beaucoup plus simple, regardez, vous pouvez faire Do majeur, par exemple, seulement en faisant la basse et cela. Ça vous fera une guise d'introduction. On va aller au plus simple. Hein. Voilà. Si bémol mineur. Ensuite, Si et Do. Par exemple, ça. Pam, 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 pam. D'accord ? Et là, on commence la chanson. Sur Mi. D'accord ? Donc, vous avez le choix. Hein. Évidemment, vous pouvez faire plein de choses. Le plus simple. 1, 2, 3, 4. D'accord ? Et là, autrefois. Alors, vous avez remarqué que, j'allais dire, je vous ai mis une petite cadence, hein, bien sûr. Autrefois, j'aimais une femme. Alors, pour ceux dont c'est possible, alors comment j'utilise la cadence? C'est une lente bossa nova. Hein. Donc, j'utilise la tonale et la quinte de toutes les harmonies. Voilà. Donc, je vous donne le principe et puis après, pour ceux qui sont un petit peu plus élevés en niveau, eh bien vous pourrez tout simplement l'appliquer. Hein. Là, ici, on est en Do majeur. À partir du moment où vous avez l'harmonie, ben, vous allez faire la même chose. Donc ici, regardez bien, le Do majeur. Je vais monter simplement de l'octave pour qu'on voit mieux en haut. Donc tonale, tierce, la quinte. Eh bien, je joue d'abord sur le premier temps la quinte, la tonale, pardon. Et la quinte, je la renverse. Donc, ce qui nous donne un pap, pap, pap. Autrefois, voyez-vous. Papam, 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 papam. Et la même chose, dès qu'on arrive ensuite sur l'harmonie sur Ré. Pam, pam, papam. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ben, regardez bien, j'utilise la tonale d'abord et la quinte de Ré que je bascule en bas. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai après? Ben, j'ai un mineur, mais sinon, si j'ai Sol, eh bien, c'est le Ré que je bascule, qui est à quinte. Quinte majeure, pam, 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 la majeure, bien entendu. Hein. Donc, ici, je vais surtout me focaliser pour les ultra débutants, hein, pour que ce soit accessible à tous. Donc, autrefois, on va plaquer les accords. Hein, et après, comme ça, vous pourrez chanter et jouer. Donc autrefois, Do majeur septième. Donc on va renverser Do majeur septième. Regardez bien, la tonale, on va la renverser ici. La tierce, on va la mettre en haut. On garde la quinte et on garde la majeure septième. Donc autrefois, vous voyez, vous pouvez tout simplement vous contenter de faire ceci. Donc votre introduction, pain, pain et bon, bon. Autrefois, j'aimais une femme, d'accord? Alors, Ré 9e, donc on va regarder la gamme de Ré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ah, ah oui, ça continue après, hein, ou en dessous, ou en dessus, voilà. Donc, il y a une notation, donc tonale, tierce majeure, quinte majeure, n'est-ce pas, la 7e et la 9e. Eh bien, la tonale, on va la jouer à la main gauche, donc on la reproduit pas à la main droite. En revanche, on vient à l'intérieur, n'est-ce pas? Jouer donc Sol bémol, La, Do et Mi. Voyez-vous? Donc, je récapitule. Autrefois, j'aimais. Donc,
fois j'ai aimé une femme. D'accord? Vous voyez, la mélodie est dans l'harmonie, hein? Vous voyez, c'est très facile, hein, comme tonalité. Autrefois j'ai aimé une femme. D'accord? Ré 9e, d'accord? Ne m'aimait pas. Ré mineur 7e renversé, donc de là. On peut la jouer comme cela, mais vous pouvez la jouer là, surtout Ré mineur 7e, tonal, tierce. Vous avez le guide, hein, pour vous référer sur l'ensemble de la chanson à la vidéo, hein. Donc tonal, tierce mineure, quinte, septième. J'inverse la tonale. La tierce, je la renverse, n'est-ce pas? Voilà, la tonale, la tierce mineure. Je garde la quinte et la septième. D'accord? Donc, je récapitule. Autrefois, Do majeur 7e. J'ai aimé une femme. Ré 9e. Alors, vous pouvez, voyez-vous, faire jouer la bémol 9e, la note bémol 9e, et l'octave. Hein. Je le fais, je crois. Pa-da-pa, voilà. Donc, vous pouvez le faire aussi au ralenti avec vous. Pam, bam, bam. J'ai aimé une femme. Du mode, alors ça, Michel Legrand le fait très régulièrement, c'est un poncif qu'il est. Il utilise tous les procédés, mais le mode de passer du mode majeur au mode mineur ou inversement. Hein. Donc ici, vous voyez bien, on est en mode majeur et on ne change pas de tonalité, mais on passe du mode majeur au mode mineur. Elle ne m'aimait pas, on l'appelait l'eau. Alors on l'appelait. Donc là, on va jouer Fa majeur avec Sol qui va déjà. Comment dirais-je, préfigurer la deuxième harmonie. On l'appelait Fa, donc tonal, tierce, quinte, hein, Fa, La et Do. On l'appelait avec Sol à la main gauche, Lé, on l'appelait, d'accord? Lola, Do majeur septième renversé. Alors, je récapitule, puis après on voit la progression. Donc, autrefois. J'ai aimé une femme, elle ne m'aimait pas. Majeur mineur, hein, Ré 9e, Ré mineur 7e. On l'appelait, voyez-vous, on l'appelait Lola. Alors maintenant, ça paraît impressionnant, mais c'est très simple. On va tout monter d'un demi-ton. On va monter d'un ton et demi, on va descendre d'un ton et demi. Donc, somme toute, nous sommes en Do majeur 7e. Eh bien, on va être donc Do, on va passer en Ré bémol, en Ré bémol et en Do. Donc 1, 2, 3, 2, 1. Alors regardez bien, je monte tout d'un demi-ton. 1, toc. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que vous montez tout de la note qui est tout de suite à côté. Voilà. Donc ici, le Sol, voilà, devient Sol dièse, voilà. Là, ici, bien entendu, entre guillemets, le Si devient un Do, mais on avait déjà Do, mais qui devient Do dièse. D'accord? Donc, pam, pam, et la même chose encore. Donc, regardez bien, si on prend les accords fondamentaux, ça pourrait très bien être ceci. Voyez, je monte d'un demi-ton, je monte d'un demi-ton. D'accord? Donc, regardez. Donc, le Do devient Do dièse. Le Mi devient Fa, n'est-ce pas? Comment dirais-je, le Sol devient Sol dièse et le Si devient Do. Et là, ceci, ça s'appelle Ré bémol majeur septième. C'est la majeur septième. Pourquoi? Tout ça, ce sont des accords majeur septième parce que les accords majeur septième sont toujours, ils sont faciles à reconnaître, un demi-ton, voyez-vous, en dessous de la tonalité. Là, ici, vous avez Ré bémol. Là, c'est forcément le Do et sa majeure septième, n'est-ce pas? Et ensuite, bien sûr, on monte, comment dirais-je, sur Ré majeur septième. Voilà, donc vous voyez. Alors, c'est un renversement, hein, vous allez voir. Et on redescend pour redescendre sur Do majeur septième. Donc, regardez bien, Do majeur septième.
On l'a déjà vu, hein, la tonale vient ici, la tierce monte, on garde la quinte et la septième. Regardez bien maintenant, je joue Ré bémol majeur septième. Donc la tonale, n'est-ce pas, la tonale est à l'intérieur, je l'enlève. La tierce, je l'ai mise en haut, n'est-ce pas, on garde la quinte et la majeure septième. Maintenant, tonalité augmentée, donc d'un demi-ton. Donc nous avons Ré majeur septième, donc position fondamentale, position renversée. La tonale vient à l'intérieur. Voyez-vous, la tierce, on la positionne en haut, on garde la quinte et on garde la majeure septième. Donc, un, deux, trois, deux, un. Alors, avec un peu d'habitude, donc on ralentit. Un. Et vous suivez avec la basse. Un, deux, trois, deux, un. Donc, Do majeur septième, Ré bémol majeur septième, Ré majeur septième, Ré bémol majeur septième, Do majeur septième. On va enchaîner la ligne, hein, d'accord? Donc l'introduction, pam, 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 pam. Et alors là, notre alors, je vous montre, pour ceux qui éventuellement seraient susceptibles de faire un peu de bossa nova, d'avoir un peu d'indépendance des mains. Donc autrefois, j'ai aimé, au ralenti, une femme. Elle ne m'aimait pas, on l'appelait Lola. Autrefois, déçu, d'accord, pam, et voilà, sur l'autre couplet. Déçu, premier temps, 2, 3, 4, d'accord, ou alors pam, pap, pap, pap. Il y a pléthore de possibilités, bien entendu. Hein. Donc, mais à mon sens, ça doit être quand même relativement lent. Hein, voilà. Pour bien détailler, c'est très beau, hein, j'adore. C'est sans doute une de mes chansons les préférées. Enfin, bref. Voyons comment on positionne nos accords sur tout plaqué. 1, 2, 3, 4. Introduction. Autrefois, j'ai aimé une femme. Ré 9e. Elle ne m'aimait pas. Ré mineur 7e. L'appelait Lola. Donc on a eu Fa, on a Sol, mais on est resté sur Sol à la main gauche, hein, d'accord. On l'appelait Lola. Do majeur septième. Autrefois, d'accord. Vous voyez. Ou alors, si vous trouvez que les doigts sont trop rapprochés, bien vous le jouez de manière, vous voyez, autrefois. Pardon. Par exemple, vous faites on l'appelait Lola autre. Pardon. On l'appelait Lola. Et alors là, vous montez, hein, de même. Autrefois, voyez-vous. C'est-à-dire que de manière déliée, voyez-vous. Donc hop, blam, blam. Et vous suivez avec votre main gauche. D'accord? 1, 2, 3, 4, 1, voilà. C'est comme bon vous semble, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de plus pratique? Moi, je pense franchement que les renversés sont très profitables. 1, 2, 3, 4, 1, d'accord? Voilà. Ensuite, déçu, deuxième couplet. Bon, on va avancer un petit peu parce que c'est la même chose. J'ai voulu l'oublier, reste 9e. Alors j'ai quitté la France, Ré mineur 7e, je suis allé, donc Fa et Sol, je suis allé au bout. Alors, Do majeur 7e sur bout, alors du monde, mais c'est le même principe sauf qu'on va monter sur, donc ici, Do majeur 7e, Ré bémol majeur septième qu'on connaît, Ré majeur septième. Ensuite, on monte aussi sur Mi bémol majeur septième, c'est-à-dire qu'on prolonge somme toute cette montée de demi-ton. Et ensuite, pour aboutir sur Mi majeur septième. Donc bien détaillé, c'est 1, 2, 3,
5, d'accord? Sur Mi majeur 7e. Donc, le dernier, je vous le montre, la tonale à l'intérieur, la tierce majeure à l'intérieur, on garde la quinte et la majeure 7e. D'accord? Voilà. Alors, vous pouvez vous amuser avec la sixte ici, n'est-ce pas? Gamme de Mi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 majeure 7e octave. Donc, vous pouvez vous amuser avec la sixte, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire. Voilà. Voilà. Donc, je reprends. Ça peut très bien être. N'est-ce pas? Donc, je suis allé au bout du monde. Alors, déçu, j'ai voulu l'oublier. J'ai quitté la France. Je suis allé au bout du monde, mais sur mai, vous devez atterrir sur. Donc, je suis allé au bout. D'abord, Do majeur 7e, Du sur Du, Ré bémol majeur 7e, Mon, Ré majeur 7e, Mi bémol majeur 7e, Mais, Mon 2 et Mais. Mais vous êtes sur Mi majeur 7e. Alors l'abîme paraissait, sans du mode majeur 7e au mode, eh oui, comme je vous le dis, Michel Legrand, il adore ça, majeur, du mode majeur au mode mineur. Mode mineur, eh bien, tout simplement, vous voyez, on passe sur Mi mineur 7e, tonale, tierce mineure, quinte et 7e. Donc la tonale, je la bascule, la tierce. Je la mets en haut, la quinte et la septième, je la garde, n'est-ce pas? Je la laisse en place, la quinte et septième. J'ai basculé la tonale et là, vous voyez, la tonale et la tierce mineure. D'accord? Donc, vous voyez, c'est très beau, bien sûr. Donc, je reprends. D'accord? Donc Mi mineur 7e. Alors là, regardez bien. Et puis le hasard. Alors, on va utiliser Sol d'abord, Sol diminué. D'accord? Donc très simple, hein, comment dirais-je? On prend Sol 7e, tonale, tierce, quinte et 7e. On ne diminue pas la tonale, on diminue la tierce, on diminue la quinte et on diminue la septième. Donc on a Sol, on a Si bémol, on a Do dièse. Voilà, vous voyez? Et on a Mi. Donc ici, c'est tout simplement un renversé. N'est-ce pas? Ce sont des renversements d'accords diminués. Donc ici, voyez-vous, la note tonale de Sol, bien, je la transpose ici. Voilà, donc je viens à l'intérieur jouer Si bémol, Ré bémol, Mi et Sol. Avec Sol d'abord, ensuite ici je descends tout simplement, je vais jouer Fa dièse, tout en, je vais jouer les quatre accords, pam pam pam, d'accord, avec la main gauche, du Sol diminué, d'accord, et là, pour jouer Mi, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails harmoniques, voilà, parce que ça s'écrit bien différemment. Et ça sera beaucoup plus simple que c'est un visuel. Hein. Donc regardez bien. Bam, bam, bam. Et là, ensuite, le hasard sur Ré majeur 7e. D'accord? Renversé. Alors, la vie me paraissait sans attrait. Et. Donc là, vous jouez bien comme ceci à l'intérieur. Si bémol, Ré bémol, Mi et Sol. Et avec Sol à la main gauche, puis, donc là vous gardez toujours Si bémol et Ré bémol, vous jouez Sol bémol, et en jouant la main gauche Si bémol, le, d'accord? Donc là vous êtes tout simplement sur le Mi à la main droite et sur Do dièse à la main gauche, le, donc je vous le fais.
fais dans le dans l'ordre. Le hasard, le hasard, le hasard. Ré majeur septième, gamme de Ré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, majeur septième, la quinte, la tierce majeure, eh bien, vous la connaissez, on le fait dans l'harmonie. Hein. Voilà, c'est tout simplement Ré majeur septième renversé que vous connaissez. D'accord ? Donc nous avons La, nous avons Do dièse, nous avons Ré, et nous avons Fa dièse, n'est-ce pas ? Donc, ma mise sur votre E du Ré majeur septième. Oh, quelle surprise ! On passe au mode mineur, d'accord ? Route du mode majeur septième au mode mineur septième, d'accord ? Ré mineur septième, que vous connaissez avec la bascule de la tonale et de la tierce. On garde la quinte et la septième, d'accord ? Donc, je reprends. Déçu, j'ai voulu l'oublier. Voilà bien. Alors j'ai quitté la France, Ré mineur septième. Je suis allé, Fa et Sol, au bout du monde. Oh, pardon. Je suis allé au bout, Do majeur septième, du monde même. Vous atterrissez sur mai, mi majeur septième renversé, hein. Mais la vie me paraît, donc vous n'avez pas besoin de faire de mélodie, hein. C'est pour vous montrer, pa, 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 pa. On est dans la gamme, hein. Mais la vie me paraissait sans attrait, mi mineur septième, vous passez du mode majeur septième, et puis le, ou alors si c'est trop difficile. Et puis le hasard, vous restez tout simplement, et vous restez sur sol diminué si c'est trop difficile. Ah oui, je viens d'y songer. Voilà, ça me détend un peu là. Vous restez sur sol diminué hein, si c'est trop difficile. Hein. Et puis le hasard, mais oui, ce sera beaucoup plus simple. Et puis le hasard, d'accord ? Vous jouez ça, comme ça, Ré majeur septième. Mais oui, bien sûr, monsieur. Voilà, m'a mis sur votre route, Ré mineur septième. Donc pour ceux qui, en revanche, j'allais dire, font un peu, sont un petit peu plus relevés sur la compréhension de la bossa, eh bien, donc je suis allé au bout du monde même. Alors, papa, 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 la vie me paraissait sans attrait. D'accord, et là, et puis le hasard m'a mis sur votre route. D'accord, vous voyez, Ré mineur septième, voilà. Et là, bah, troisième couplet, hein. Allez, c'est parti pour nous. Hein. Dès que j'ai vu Geneviève, Do majeur septième, Ré neuvième, j'ai su que je l'attendais, Ré mineur septième, depuis Fa sol, cette rencontre, Do majeur septième, et ça va être la même histoire. Ma vie a pris un autre sens, mi majeur septième, d'accord. À tout instant, c'est elle que je vois, mi mineur septième. Vous appliquez le même principe, voilà. Je ne vis que pour elle, ou alors je ne vis que pour elle, d'accord, vous avez le choix, hein, d'accord. Je ne pense plus qu'à elle, Ré mineur septième, et voilà, et moi j'ai voulu, quatrième couplet, vous parlez franchement, Ré neuvième, je passe parce que, entre guillemets, c'est exactement les harmonies qu'on vient de voir ensemble. Hein. Vous ne m'en voudrez pas, mais en même temps, vous avez le texte et le, comment dirais-je, je vous montre où vous braquez bien vos harmonies. J'ai voulu, j'ai sur j'ai, vous parlez franchement, vous ne m'en voudrez pas, Ré mineur septième, il n'est bien sûr, Fa avec Sol, pas sol, question. Et alors là, vous voyez l'introduction, quand je dis que ce n'était pas inutile.
Eh bien, on va en avoir besoin, si bémol mineur, d'influencer Geneviève. Donc, si bémol mineur, vous voyez, d'influencer Geneviève. D'accord? Vous voyez? Si bémol mineur, d'influencer si, avec tonal tierce quinte que vous connaissez, Geneviève, do majeur, do majeur, Geneviève, et si, do libre. D'accord? Donc, je reprends, j'ai voulu vous parler franchement, vous ne m'en voudrez pas, ré mineur septième, mais bien sûr, quoi qu'est-ce. Et là, d'influencer Geneviève et libre. D'accord? Do majeur, voilà. Alors, comment dirais-je après, l'espèce de petite chorus, c'est facultatif, c'est pour montrer que vous pouvez égayer aussi la chanson un petit peu pour qu'elle soit moins monotone avec une petite phrase musicale. Mais c'est facultatif. Après, pourquoi? Parce que ça fait une césure, parce que ensuite il y a M. Cassard qui revient et qui et après ce chorus musical et qui fait. Demain, je repars à Amsterdam pour 3 mois. D'accord, donc demain, on va faire Do majeur septième. Je repars à Amsterdam pour 3 mois. À mon retour, Geneviève me donnera elle-même sa réponse. Donc demain, ou alors vous faites soit ici ou là, comme vous voulez. Demain, je repars à Amsterdam pour donc ré mineur, donc do majeur septième, ou alors là, demain, je repars à Amsterdam pour 3 mois, ré neuvième, d'accord. À mon retour, ré mineur septième. Geneviève, sol avec fa, me donnera elle-même sa réponse. Alors là, un petit coup de si bémol mineur. Pardon, pas si, do. Et là, Madame Emery dit, sur le sol, je ne sais que vous dire. Alors moi, j'ai pas la voix, voilà, c'est beaucoup trop haut pour moi. Je ne sais que vous dire. Mais là, normalement, c'est je ne sais que vous dire. Oui, c'est trop haut pour beaucoup trop. Donc, je ne sais que vous dire. Je suis contraint de le faire plus bas. Hein. Donc, Do majeur septième. Je ne sais que vous dire avec Ré majeur. Mais c'est les mêmes harmonies. Hein. Et là, Monsieur Cassard lui répond. Ré mineur septième, fa, sol, ne me dites, sol, rien, Geneviève, si bémol mineur décidera, elle, si même, do, bonsoir, ma, si, d'accord, da, et là, bon. Retrouve notre si bémol mineur septième. C'est quand je vous disais que c'était la septième, n'est-ce pas? Donc là, je rappelle si bémol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc tonal, tierce mineure, on a attendez que je dise pas de bêtises, voilà, c'est ça, la quinte et la septième, voilà, n'est-ce pas? Donc je reprends, donc bonsoir, en dessous, hein, sur la quinte, Monsieur Cassard, d'accord, Cassard, sur le sol, donc Madame Emery, juste là,
Demain, je repars à Amsterdam pour 3 mois. À mon retour, je navigue et me donnera elle-même sa réponse. D'accord, madame Emery, je ne sais que vous. Alors, je ne sais que vous dire, je ne sais que vous dire. C'est pas possible. Donc, bah oui, c'est madame Emery, hein, beaucoup plus haute. Je ne suis pas ni monsieur Cassard, rien. Je ne sais que vous dire, donc je ne sais que vous dire. Je suis contraint de faire ça ici. Hein. Voilà, Reine 9e. Monsieur Cassard revient, lui répond, pardon, mais ne me dites rien. D'accord? Do majeur 7e. Je ne viens. Avec la septième, hein, si bémol mineur, soit monsieur, si cassa. Voilà mes amis, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est très beau. Malheureusement, bon, j'ai juste aimé avoir toutes les voix et enfin, pour pouvoir chanter tout ça à merveille, mais ça n'a aucune importance, on peut tout de même se faire grand plaisir, croyez-le moi, croyez-le bien. De toute façon, je présume que si vous êtes à l'écoute en ce moment avec moi, c'est que vous êtes aussi désireux que moi de jouer, de chanter cette merveilleuse, l'une de ces extraordinaires chansons, parce que tout est extraordinaire et fabuleux chez ce grand homme, ce merveilleux musicien, que j'admire beaucoup, voilà, et pour toujours, à tout jamais, voilà. Et qui sera intemporel, voilà, au titre des plus grands noms de l'histoire de la musique. Merci infiniment de votre attention. Et puis, j'ai essayé vraiment de faire, comme toujours, de mon mieux pour que ce soit vraiment très simple. Mais, entre guillemets, je pense que, voilà, vous pouvez vraiment vous faire plaisir simplement en plaquant tel que je vous l'ai montré, hein. Et puis, si vraiment vous avez un petit peu de bossa, eh bien, vous pouvez donner un petit peu de cadence, hein. Mais le guide, je vous l'ai fait très simple aussi, hein, pour que vous puissiez vous y référer précisément sur l'ensemble de la chanson. Donc on part de vraiment de très peu, hein, voilà, avec très peu, mais en faisant des bonnes harmonies, et ce qui nous permet quand même de prendre un grand plaisir, voilà. Et puis il faut pas, il faut surtout pas, voilà, je veux bien réduire les harmonies, je veux bien faire mon maximum, beaucoup travailler pour que ce soit vraiment bien, mais il est hors de question que ce soit de la haute trahison, voilà, pour Michel Legrand. Hors de question. Merci infiniment de votre attention, à tout bientôt. Au revoir, merci.